Le défi du jour sera de réaliser un top 1 avec des armes mythiques seulement sur Fortnite Battle Royale. J'avais déjà réalisé le défi des armes mythiques dans la saison précédente, la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, mais cette fois-ci, lors de cette saison 3, il y a de nouveaux boss apparus sur la map de Fortnite, aka Kit, Julie et Osan. Et ça nous amène donc avec de nouvelles armes. Mon défi, ça va être de tuer le boss le plus rapidement possible. Et lorsque j'aurai tué ce boss, je devrai tout simplement utiliser seulement l'arme de ce boss. J'ai quand même une règle pour rendre le défi un petit peu plus facile, les amis. En début de game, avant de pouvoir tuer le boss, j'ai le droit de récupérer une arme histoire de tuer le boss ou quiconque essayera de me tuer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est parti pour cette première game direction Catty Corner. Et c'est là qu'on trouve Kit, le méchant chat qui va essayer de me tuer. Et moi, en tout cas, je vais essayer de le tuer pour avoir son arme mythique. Et c'est une arme... un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe, les amis, qu'on va essayer de débloquer ici, chez Kit. Par contre, je sais que Kit, il est assez violent. Et surtout, ses acolytes, juste ici, heureusement... Oh, il y a un ennemi déjà là-bas, what the fuck. Est-ce que Kit se trouve quelque part par ici? Là, je sais qu'il y a un acolyte qui se trouve là. Toi, tu vas te manger ça. Toi, faut vraiment qu'on le tue un par un, histoire de... avancer tranquillement, sans danger. Mais il est où, Kit? Non, me dis pas que Kit... ok, toi, t'es mort, ok. Mais par contre, pas de traces de Kit, non. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui l'a tué. Parce que oui, les amis, regardez là où se dirige ce petit acolyte. Il y a Kit. Ou alors, quelqu'un a déjà tué Kit. Mais je suis sûr à 100% qu'il y a un ennemi qui se trouve proche d'ici et qui a déjà éliminé Kit. Oh non, je l'entends. J'entends Kit. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Oh, il est juste là, il est juste là. Ok, on va lui mettre des têtes. Ça lui fait bien mal, ça. Ok, nice, on a tué Kit. Attention, tu vas me donner ton fusil à pompe. Kit. Hop, et on va bien sûr tuer ce fameux acolyte juste ici. Et maintenant, les amis, on va pouvoir se débarrasser de nos armes toutes pourries, puisque maintenant, on est obligé de faire un top 1 rien qu'avec ces armes mythiques. Ça va être difficile. Difficile, oui et non, parce que en soi, c'est quand même une arme mythique, donc ça fait plutôt mal. Mais je vais pas te mentir que je dis pas non à un petit fusil d'assaut. Oh, il y a un acolyte qui essaie de me tirer dessus, là. Oh, toi, t'es mort. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre-fort qui pourrait bien nous être utile pour la suite de cette partie. Imaginez, les amis, on arrive à faire le top 1 et conclure ce défi top 1 dès la première game. Ça serait franchement plutôt sympathique. Yeah. Oh non, il y a une Scar juste ici. Oh, je peux pas la récupérer, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave. Juste ici, regardez, il y a un pistolet de lanceur. Oh, oh, j'entends. Et moi, j'entends quelqu'un. Je pense que j'ai entendu quelqu'un là. Oh, attention, attends, je vais voir. Ouais, il y a quelqu'un. Exactement, il y a quelqu'un en dessous de moi. Ouh, attention, on va mettre justement le pistolet pour savoir exactement où il est. Ok, j'ai la... oh. Il est juste là. Ok. Lui aussi, il a... il a... oh non. Mon... le 240 dans la tête. Oh merci Kit pour ton fusil à pompe mythique qui a l'air de faire plutôt pas mal de dégâts. On va pas se mentir, quand on vise la tête avec ce fusil à pompe, ça marche plutôt bien. Oh là 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 les amis. À mon avis, je pense qu'il s'est passé le premier ennemi que j'avais entendu juste ici. Il s'est fait tuer par Kit. Et voilà, c'est moi qui ai pu tuer Kit au final. Donc je suis plutôt content. Allez, on va mettre un petit pal juste ici, histoire de se diriger vers la zone. D'ailleurs les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai les cheveux rouges. Pourquoi? Parce que vous avez été 50 000 à mettre le code créateur Jean-Fils dans la boutique de Fortnite, les amis. Et ça fait plaisir. C'était un challenge. Aujourd'hui, les amis, je me suis donné un autre challenge. Si on atteint les 300 000 soutiens, les amis, en un mois, je me tatoue code Jean-Fils sur le front. Donc, vous savez quoi faire. Mettez le code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite la prochaine fois. Par contre, là, je vois des maraudeurs qui sont en train de tirer sur un pauvre ennemi qui, j'imagine, n'a rien demandé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'y diriger le plus rapidement possible, les amis. On va faire un petit lopade comme ceci. Oh, et bien sûr, je le rate. Comme ça. Oh ouais, il a l'air d'avoir un ennemi. Oh, juste ici. Je l'entends, je l'entends, je l'entends, je l'ai vu. Attention. Est-ce qu'il y a moyen? Moi, je lui mets quand même une balle à 40. Oh, oh non, non. Il a l'air d'être plutôt chaud. On va essayer de voir s'il n'y a pas moins. Oh, ah ouais, il a l'air d'être plutôt pas mal. Tu sais quoi, ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans le ciel. Comme ça, je n'aurai pas peur. Et on va faire juste ça. Non, non, non. Oh, j'ai manqué ma balle, les amis. Ça, ce n'est pas bon pour la santé. J'aurais dû profiter, justement, d'avoir ce fameux... oh, mais non, mais je peux pas casser ces construits. Quoi? Oh, si, je peux casser, mais seulement avec le fusil à pompe. Bon, c'est pas la meilleure des techniques, on va pas se mentir. On va charger tranquillement le fusil à pompe. Et on... oh là 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 là.
Oh là 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 là, merci Kid quand même pour ton arme mythique qui fait plutôt mal, hein. Par contre, faut savoir utiliser le pompe chargé. Y a pas beaucoup de gens qui kiffent le pompe chargé. Mais comme au début de cette saison 3, quand j'ai vu ce pompe être remplacé par le pompe chasseur, j'ai fait une crise cardiaque, les amis. Mais bon, au final, j'aime bien le pompe chargé. Et effectivement, les amis. Est-ce que vous êtes team pompe chasseur ou pompe chargé? Dites-le moi dans l'espace commentaire. What the hell? Qu'est-ce qui se passe juste ici? Regardez, il y a deux hélicoptères. Mais quoi? Oh, il va me foncer dessus! Attends, fais gaffe, j'ai pas envie qu'il me fonce dessus quand même. Il est fou lui. Oh, ça se fight! Oh, on va rejoindre ça tranquillement, l'ami. Oh non, j'ai raté ça. C'est pas grave, je remonte. Grâce. Oh non, j'ai raté ça. Oh, comment j'ai pu rater ça? Non! Là, je suis bien déçu, les amis. Non, c'est pas possible ça. Je lui mettais une balle dans sa tête, il était totalement mort. Il était clairement à 1 mètre de moi. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre un truc dans le ciel, comme d'hab. Oh, ils sont là. Ok, je l'ai mis mal. Hop, hop. Hop. Oh, ce que je l'ai mis par contre. Oh, ce que je l'ai mis par contre. Attends, il n'était pas tout seul. Oh non, il y a des maraudeurs juste là qui essayent de me tuer. Attends, il est où l'ennemi là? Il y avait un autre ennemi. Oh, il est là. Oh, comment j'ai pu le manquer? Sans blague, les amis. Ok, nice. Je l'ai touché. Ok. Non. Nice. Ok. Ok, faut faire gaffe. Et il est mort de dégâts de chute. Je sais pas si c'est lui qui est mort de dégâts de chute, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un mec qui est mort juste ici, les amis. Et on va pouvoir récupérer tranquillement son stuff. Oh là là, c'était la pression, là, je vais pas vous mentir, les amis. Maintenant, c'est rempli de maraudeurs. Juste ici. Wow, les maraudeurs sont plutôt violents, on va pas se mentir, les amis. Oh non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, les maraudeurs. Laissez-moi recharger mon fusil à pompe quand même. Vous êtes quand même assez violent quand même. Avez-vous appris le respect, bande de maraudeurs? Avez-vous appris le respect? Voilà, je vous explose la cervelle. Y a plus là, y a plus. Bon, c'était assez violent ce qui vient de se passer avec les ennemis. Mais en tout cas, les ennemis, le principal, c'est qu'on ne soit pas mort. Et ça, ça fait plaisir. Oh non, mon fusil à pompe, reviens ici quand même. J'avais tué un ennemi juste ici. Oh, il est là le stuff. Le stuff est juste ici. Donnez-moi ça, madame, s'il vous plaît. Merci bien. Oh là là, ce fut plutôt sympathique. Allez, on va quand même se diriger vers la zone. Il reste actuellement 7 ennemis pour cette première game. Ça se passe plutôt bien, on va pas se mentir. J'aimerais bien croiser quelqu'un qui a par exemple l'arme de Julie. Parce que je suis sûr, à partir de ce moment-là, de cette game, les amis, d'office, je pense que Julie a été trucidée, malheureusement pour moi. Donc, on va essayer de se venger en récupérant l'arme de Julie. Par contre, il y a des maraudeurs juste là-bas. Je vais essayer de les contourner parce que les maraudeurs, on a pu voir, ils étaient pas gentils avec moi. Oh non, ils m'ont vu. Les maraudeurs m'ont vu. On va vite fait s'échapper, on va prendre un pad. Oh là, ouh. Il a l'air d'avoir eu beaucoup de combats à l'autorité. C'est sûr que Julie s'est fait trucider. À mon avis, vous savez quoi? Je pense que la meilleure des solutions, c'est d'aller juste ici, au toit de... Ouh. Oh, mais juste ici. Il y avait un mec. Ah, malheureusement, je peux pas toucher de si loin. Ah, c'est ça le problème avec le fusil à pompe, les amis. C'est que ça n'a pas une grande portée. Mais si le mec, il a fouillé parce que je le rushais comme ça, alors que je savais même pas qu'il était là, ça veut dire que c'est une petite tafiole. On va pas se mentir. Donc ça ne devrait pas me causer de soucis. Par contre, j'entends des gens qui se tuent en dessous là. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a l'air d'avoir quelqu'un. Oh, la petite balle. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment sympathique. Le truc avec cette arme mythique de Kid, c'est qu'elle fait pas mal de dégâts. Comme on vient de remarquer, c'est le carnage. Mais je vais pas faire le fou, les amis, à rusher tout en bas en sachant qu'on a la hauteur. Ça serait terriblement stupide. En tout cas, on va dire on a la zone parfaite. Let's go. Oh, j'entends quelqu'un avec un grappin. Le grappin de Julie, juste ici. Mais... Oh, magnifique. Bah écoute, merci pour ça. Oh, et merci pour ceci. Oh là là. What? What? Les amis, mais quoi? Oh, à mon avis, il a paniqué ou il a bugué avec ses touches. Mais en tout cas, les amis, on a 4 armes mythiques. Aïe, aïe. Dommage qu'il a pas l'arme de Julie. C'est bizarre parce qu'il a le grappin de Julie. Mais il a pas l'arme de Julie. Bon, c'est pas grave. Ok, en tout cas, on sait qu'on a une arme en plus. Une arme à distance.
Donc on va pouvoir faire de bons dégâts aux ennemis qui se trouvent à longue distance de la sorte, les amis. Regardez ça, on va pas se mentir, la hougue de Océane, elle est plutôt violente. Je dirais même que c'est l'arme la plus cheatée à distance. Clairement, la précision qu'elle a et les dégâts qu'elle fait dans la tête, c'est violent. Bon, on n'a pas la prochaine zone, donc ce qu'on va faire, on va essayer d'avancer, essayer d'avoir la hauteur, bien sûr, sur tout ce qui se passe à l'autorité. Il ne faut laisser personne prendre le contrôle de la hauteur. C'est moi le big boss ici. Oh, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un juste là. On va voir. Il y a, okay, il y a un colliteur. Oh, ouais, j'ai vu. Il y a un mec dans une tour juste là. Il se met bien. Mais le problème pour lui, c'est qu'il n'est absolument pas dans la zone. Il va falloir que tu avances, petit kiki. Avance. T'inquiète pas, je suis gentil. Je ne te ferai pas de mal. Regardez comment il panique. Allez, le petit kill en plus. Ah bah ouais, t'avances pas alors que t'es même pas dans la zone. Il est fou. Par contre, il visait là. Donc à mon avis, c'est qu'il y a un autre ennemi proche. Ah, j'entends du bruit. Effectivement, je pense qu'il y a un ennemi en dessous, juste là. Attends, c'est qui me tire dessus là? Attends, il y a quelqu'un qui tire sur moi. Je ne comprends pas. Tu sais ce qu'on va faire? Je pense que juste ici, j'avais laissé... Ouais, exactement, j'avais laissé ce pistolet. On va mettre ça dans les airs, voir s'il y a moyen d'avoir la position des ennemis. Et attention... ah oui, il y a la position d'un ennemi juste là. Ouh, là, il est là. Et l'autre, il se trouve... Oh, il est proche de moi. Donc ils sont tous les deux en dessous de moi. D'accord. Ils sont tous les deux en dessous de moi, d'accord. Comme ça, je sais. Oh, franchement, le flare gun, c'est l'un des objets le plus utile de tout Fortnite Battle Royale, clairement. C'est moi, il essaie de reprendre la hauteur, le petit kiki juste ici. Qu'est-ce que tu essayes de faire, voyons donc. Tu penses vraiment pouvoir m'affronter de la sorte? Bon, le problème, c'est qu'on a vraiment la hauteur, il faut falloir changer de position. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on a le grappin. Et le grappin, c'est, je pense, l'un des items les plus abusifs de Fortnite. En sachant que c'est le grappin de Julie. En même temps, Julie, c'est la meilleure, c'est le meilleur skin Fortnite. On va pas se mentir, c'est un peu logique. Attention, là, il est en train d'avancer. Il est où? Il est passé où? S'il est passé... Oh! D'accord, je vois. On va construire en pierre, hein, puisque le mec me tire du feu. Et le bois, ça brûle avec le feu. Ok, ça c'est touché. Oh, ils sont tous les deux là. Ils sont tous les deux côte à côte. Mais le problème, vous avez la zone au cul, si je peux me le permettre. Attention, on va monter comme ça. C'est l'heure de se mettre... Non, il est mort. Oh, d'accord, il est mort de dégâts, c'est pas grave. On se retrouve du coup contre une personne. Bon, ça va. En vrai, on a le grappin. Ouh, la tête. Hein, je vous l'ai dit, la tête avec ce skin. Tu penses vraiment que ça va cramer mes briques ou quoi? Oh, fais gaffe. Oh, il s'est coincé. Oh. Il meurt des dégâts de tulle, bien évidemment. Arme mythique aléatoire, challenge seulement, défi réussi dès la première game. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Si tu n'es pas encore abonné, c'est très important. N'oublie pas le pouce bleu. Clique juste ici pour voir une autre vidéo. Et pour en parler, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.